Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir qui êtes sur vous qui êtes sur Twitch, vous qui êtes sur YouTube. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout est bon? Tout à fait. Alors en attendant les réponses du chat, merci à tous d'être là et merci particulièrement à notre invité de ce soir que je présente ici. Bonsoir Emeline. Alors je dis bonsoir, je sais pas si c'est hyper adapté, parce que Emeline nous vient tout de suite du Canada. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Super, super. Alors rapidement, ce qu'on fait d'habitude avant de commencer, c'est... alors les gens me disent qu'on ne t'entend pas. Voilà. Alors, je vais vérifier que tout est bon. Tac, 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 tac. Capture. Est-ce que tu veux parler un instant pour tester? Alors, je vais tester... quelque chose. C'est compliqué. Sur YouTube, il n'y a pas le son de... Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Pourquoi ça ne marche pas cette fois-ci? Désolé, ce sont les aléas du direct. Je vais essayer de changer le truc de tout à l'heure. Alors, je pensais qu'il y avait un écho, donc c'est peut-être ça la cause. Ok. Est-ce que... Je refais un test. Est-ce que toi, tu m'entends toujours, Emeline? Est-ce que les gens t'entendent? Moi, je t'entends. Reste à voir si les gens m'entendent. Je pense qu'ils t'entendent. De ce que je vois sur mon écran, là, je crois que les gens t'entendent. Super. Et au niveau de l'écho, ça va quand même? Pour moi, c'est nickel. Ok, super. Ah, c'est yeah. Excellent. Désolé, mais à coup de pas. Alors, pour une petite histoire, en fait, je suis en train de déménager en ce moment. Donc je suis pas du tout dans l'environnement de l'environnement stream habituel, comme vous pouvez le voir peut-être dans le fond là. Je suis actuellement en train de streamer au calme sur un espèce de bureau Louis-Philippe dans le plus grand des calmes. Donc c'est totalement adapté, mais il n'y a pas de souci, on est là. Alors j'y vais rapidement. D'habitude on fait un petit point sur l'actualité de la semaine. Cette semaine, il y a deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de grosses actualités. Si le chat veut partager des actualités, n'hésitez pas. De mon point de vue, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça qui sont passées cette semaine, sur le plan technique en tout cas. Pas de grosses fuites, pas, à ma connaissance, de grosses vulnérabilités... Ah si, il y a peut-être une vulnérabilité sur Windows aussi, une vulnérabilité sur Active Directory quand même. Mais je sais pas en quelle mesure tout le monde s'est mis à en parler cette semaine. Je crois que c'est encore très niche. Donc si le chat, si vous en connaissez, n'hésitez pas à le partager, mais sinon je vous propose de raccourcir un peu cette étape actualité. Dans tous les cas, moi je suis en train de réfléchir à quelle forme ça va prendre pour l'année prochaine. Là, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier ou le dernier stream pour cette année scolaire. Il y aura un peu une pause des streams pendant les vacances. On va voir en fonction de moi comment je suis dispo. Mais je réfléchis pour l'année prochaine à comment faire ces actualités. Donc n'hésitez pas à dire comment vous aimeriez voir les actualités sur cette chaîne. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et moi, j'ai des petites idées. Donc n'hésitez pas à dire dans le chat comment vous aimeriez le voir. Dans les actualités, la seule chose dont je voulais quand même vous parler, c'est que pour la cyber en France, cette semaine, c'était une semaine très particulière. Il y a eu
il y a eu une grande conférence en France qui s'appelle Le Hack et qui a réuni pas mal de gens de la scène du pentest, de la scène de la cybersécurité. Ça fait suite à une autre conférence qui s'appelle Le Fix, c'est un peu les deux plus grosses conférences. Deux sur trois des plus grosses conférences, en tout cas en France, et Le Hack c'était vraiment très orienté technique. J'y ai passé les deux jours, j'y ai même passé les deux jours et une nuit. J'étais tout pour vous, pour essayer de tout filmer. Et je vais essayer d'en faire une petite vidéo pour vous raconter ce que c'était que cet événement, Le Hack. Et Mine, je sais pas si t'as suivi, je sais pas si c'est les événements que tu suis. Ouais, mais d'ailleurs, on va avoir une édition du Forum international de la cybersécurité chez nous à Montréal en novembre. Je pense le 1er de novembre. Et d'ailleurs, petite anecdote, t'as rencontré quelqu'un qu'on connaît, que je connais finalement, tout à fait. Dominique. Vous avez m'avez envoyé un selfie, j'ai trouvé ça très très tout drôle. À fait. tout à fait, je sais plus comment on est arrivé à parler et à se rendre compte que effectivement on te connaissait tous les deux mutuellement, mais voilà. Donc, ce qui est très cool, c'est que ces événements, c'est sûr que souvent, et surtout pour le FIC, je pense, c'est beaucoup une vitrine pour les vendeurs de cybersécurité qui viennent expliquer que tout est perdu, tout le monde est piraté et qu'il faut absolument acheter leur produit qui est le seul à vous protéger. C'est un peu ça, mais c'est quand même sympa de rencontrer du monde qui fait de la cyber et de voir que bah, on est tous un peu là et essayer de faire en sorte que tout le monde se protège. Donc ça, moi je trouve ça très sympa. Moi ça me fait très plaisir de faire ces événements et donc j'espère que, je sais pas si les gens du chat y étaient, mais j'espère que si vous étiez pas, ça vous intéresse. On dit que t'étais beau gosse. Ouais, j'ai passé pas mal de temps avec Guillaume qui vient de faire la transition de YouTube à Twitch. Ouais. Donc il se balade de stream en stream. Donc ouais, effectivement, en tout cas moi j'ai eu grand plaisir à rencontrer Guillaume, donc Sikursen, qui tu me dis si d'ailleurs si je dis mal ton pseudo, parce que je crois que je l'ai jamais dit devant toi, mais j'ai eu un grand plaisir Guillaume à te rencontrer, à discuter, à parler de comment on peut faire de la vulgarisation et comment on peut parler de cyber à un maximum de personnes. Et en plus, Guillaume prépare notamment un article sur un sujet qui concerne pas mal de monde dans la cyber, je pense. Je laisse dévoiler le sujet de son article s'il a envie dans le chat. Mais donc, nous avons parlé avec Guillaume de comment parler de cyber au plus grand nombre. Et c'est un peu le sujet du stream d'aujourd'hui. Donc, ce qui nous amène, c'est une transition tout en douceur, à ce qui nous amène à la discussion avec Emeline. Donc, si ça te va, me représenter, vu qu'il n'y avait pas le son tout à l'heure. Tout à fait, carrément. J'avoue. Et les gens, je pense pas qu'ils étaient encore assez bons pour lire sur mes lèvres, ou ils n'ont pas développé un truc pour catcher ce que je voulais. Donc, blague à part, on disait que c'est le soir chez vous. Moi, il est 13h21 en ce moment, je suis à Montréal. Vous entendez à ma petite voix, mon petit accent français, que je viens quand même de la France. Même ça fait 11 ans bientôt que je suis au Québec maintenant. Donc, cybersécurité, oui, mais moi, j'ai toujours notre premier réflexe, c'est de penser à la machine, de penser aux technologies. Oui, c'est bien et c'est important, extrêmement important. Sauf que si notre humain n'est pas sensibilisé, on peut avoir le meilleur système informatique en place. On se retrouve avec un niveau de risque assez élevé parce que notre humain, il clique n'importe où, il envoie des courriels n'importe comment. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à cet humain. Je viens plus d'un background, je disais, en psychologie, en criminologie. Donc, c'est vraiment plus cet aspect humain, les bonnes pratiques en ligne, puis... C'est vraiment de la formation que j'offre en entreprise pour prévenir les bobos, prévenir les trucs que ça ne nous tente pas d'avoir à gérer. Et c'est bien normal. Je rebondis, je prends des notes parce que il y a des trucs qui m'intéressent complètement pour la suite de cet échange. Toi, du coup, t'as un background en fait en sociologie et ou en criminologie? Plus en criminaux, davantage en criminaux, mais la criminologie au Québec a rien à voir avec la France. Et la France, c'est beaucoup la police scientifique, c'est beaucoup dans les enquêtes. Nous, au Québec, c'est plus un psychologue pour criminel. C'est plus, le criminel, il a purgé sa peine en prison, puis là, il revient dans la société. Donc, un criminologue va travailler en prison, typiquement. Il va travailler en maison de transition, donc quand la personne n'est pas encore... Elle est à moitié détenue, mais elle est un peu dans la collectivité. Donc, c'est essayer de comprendre la psychologie cybercriminelle. Pas cybercriminelle, I mean, mais criminelle.
D'accord, bah c'est super. Merci de rappeler ce que c'est la différence entre la France et le Québec, parce que vraiment, même en France, je ne sais pas vraiment ce que c'est que la criminologie. Ça m'aide pas mal. Donc c'est vraiment étudier la psychologie des criminels, si je comprends bien. Ouais, Et ouais, des ouais. deux manières différentes. Oui, puis c'est dans un but de réadaptation, en fait. C'est dans un but de réadaptation de dire une personne, elle a vécu quelque chose, elle a commis un crime. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a vécu ça? Donc c'est de recreuser un peu dans le passé, au niveau de l'enfance, au niveau des parents, au niveau de la toxicomanie, au niveau de tout ça. Puis ensuite de dire, bon, bah, maintenant on a cette personne-là à un moment M, comment on la réinsère dans la société? Comment on la réhabilite dans la société? Alors, je sais pas si je vais peut-être griller des questions, mais est-ce que c'est ce que tu fais avec l'aspect cyber aujourd'hui dans ton métier? Est-ce que tu essaies de penser à la psychologie des cybercriminels? Alors, c'est une question intéressante et je ne m'intéresse pas à la psychologie du cybercriminel, même si oui, indirectement, on s'y intéresse tous. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi davantage, c'est au niveau de la victime, au niveau de la personne victime, de sa psychologie à elle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a cliqué? C'est quoi les émotions qu'elle a ressenties à ce moment-là et qui a fait en sorte que ça a ouvert une porte de vulnérabilité et qu'elle a cliqué et qu'elle a communiqué de l'information? Donc, ouais, ça m'intéresse et ça me passionne vraiment beaucoup. Est-ce que tu aurais une réponse à cette question pour l'instant? Alors, c'est peut-être la question qui anime tout ton travail. Mais Je sais j'ai pas, c'est. identifié quand même, j'ai identifié quelques émotions qui reviennent beaucoup et qui font en sorte que quand on ressent cette émotion-là, on n'est plus vulnérable. Ça va être, bah, tu vas t'en douter, la peur. Typiquement la peur, je reçois un message, mon compte s'est fait pirater, alors que c'est fake, c'est même pas vrai. Mais là, j'ai de la peur. Puis là, au lieu d'aller sur Facebook comme je vais d'habitude, bah là, je vais cliquer sur le lien du mail parce que là, il y a une urgence. Donc la peur, c'est quelque chose que j'identifie beaucoup. La serviabilité. Tu sais, on le voit, la serviabilité avec tout ce qui est la fraude au président. Le fait d'être serviable, il y a une opportunité, on veut se démarquer. La serviabilité ressort vraiment, vraiment beaucoup aussi. Puis, veux pas, la... Puis là, vous devez rire à m'entendre dire des expressions, probablement, mais la curiosité. On est curieux, fondamentalement. Puis, c'est douloureux de ne pas cliquer, de ne pas savoir qu'est-ce qui se cache derrière quelque chose. Et j'ai un ami, tu vas rire, dernièrement. Olivier, j'ai un ami qui me dit, Emeline, j'ai reçu un petit, ça va, tout va bien, je vois ton nom verbal. Ouais, je regarde juste, je me demande s'il n'y avait pas des problèmes d'encodage sur ta vidéo. Je vais essayer de les corriger si c'est de mon côté, mais je veux pas t'interrompre. D'accord, pas de stress. Mais je disais, donc j'ai un ami dernièrement qui me dit, Emeline, j'ai reçu un courriel. Mais là, je suis tes conseils et je n'ai pas cliqué sur le lien. Bien, super, excellent. Et par contre, je me suis demandé, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir le courriel depuis mon téléphone puis de cliquer sur le lien depuis mon téléphone? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée, pareil. Mais tu sais, l'humain est fondamentalement curieux puis il veut savoir qu'est-ce qui se cache. Quand je dis aux gens, tu reçois un message, t'es pas en mesure de faire des vérifications, ignore-le. Oh, mais non, je peux pas ignorer. Si, si, ignore. La personne, elle trouvera un autre moyen de communiquer avec toi. Donc non, il y a plein de réponses, mais il y a certaines émotions effectivement que j'ai nommées qui, quand une personne est victime, souvent elle a ressenti certaines de ces émotions-là avant de passer à l'action. Ok, super. Bah, alors, moi, je viens de résoudre le problème en parallèle. Donc il y a peut-être Multitâche! une frame de, il y a peut-être une frame de saut de ton image. Désolé pour nos viewers. Mais donc, super intéressant pour ces émotions. J'ai plein de questions. Je vais essayer de les prendre quand même un minimum dans l'ordre, mais j'ai envie de répondre. J'ai envie de pivoter dessus. Parce que donc, j'imagine que c'est ces émotions que toutes les arnaques essayent d'abuser. Le dernier stream qu'on a fait, c'était pour parler de désinformation. Et je vois que la peur. La demande d'aide, le sentiment d'urgence, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé dans les deux cas pour essayer de manipuler les gens, que ce soit pour partager des mauvaises informations ou essayer de pirater du monde. Ouais, non, ils sont forts. Quand même pour faire ressentir des émotions dans la masse, c'est d'envoyer un message de masse. Il y a des gens à qui ça va parler, il y a des gens à qui ça va pas parler, et c'est normal. Je te donne un exemple, puis un cas vécu.
ça va parler probablement à d'autres personnes, mais nous, l'été dernier, on était en France, typiquement, avec mon conjoint, on était en France. Ici, pour votre info, on dit un chum, c'est très moche un chum, mais avec mon conjoint, on était en France. Et là, bad luck, on est hébergé chez de la famille et on se fait cambrioler. Le truc que tu veux jamais vivre et qui est improbable, t'es en voyage, puis la famille chez qui t'es hébergé se fait cambrioler. Bref, Rémi a plus de Mac, plus d'Apple, bref, plus d'ordi. Et là, 2-3 semaines après, il reçoit un mail de Apple disant « Nous avons géolocalisé votre Mac, cliquez ici. » Bon, Rémi, cordonnier mal chaussé, il a cliqué. Heureusement, c'était simplement un site web qui te renvoyait vers ta page identifiant Apple pour donner ton mot de passe et ton... Heureusement, il s'est arrêté là. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est est-ce que Rémi est la seule personne à avoir reçu ce message? Non, clairement. Mais il y a des gens qui n'ont même pas de Mac, qui ont reçu ça, et ça n'a pas rapport, je le jette, je le flush ce courriel. Mais il y a des gens, comme Rémi, il y avait le momentum, ça faisait du sens dans sa vie, il a ressenti une émotion, il a cliqué. Et tu penses que c'est plus un spam large que un truc dirigé sur lui? Typiquement, s'ils avaient ouvert l'ordinateur et qu'ils avaient récupéré l'adresse liée à son compte Apple pour essayer de le déverrouiller? Non, oui. Écoute, c'est possible. On peut pas avoir la réponse absolue. Mais sincèrement, je pense pas. Parce que bref, pour la petite histoire, après, on a des doutes de savoir qui nous a cambriolés. Que ce serait comme des potes d'un des jeunes, d'un des cousins. Donc, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement de super bonnes... des skills, nécessairement. C'est pas un hacker de l'extrême. Je crois moins à cette théorie. Mais c'est pas impossible, c'est vrai. Ok. Écoute, on va rester discret sur cette partie-là, cette anecdote-là. Ok, trop cool. Du coup, on est parti là-dessus parce que tu disais toutes les émotions que tu vois dans ton travail qui ont créé ces clics. Oui. Concrètement, ton travail, c'est quoi? Toi, tu t'adresses plutôt à des entreprises, tu t'adresses plutôt à des particuliers, est-ce que c'est des grosses entreprises? C'est quoi, du coup, ton quotidien de formation, de sensibilisatrice en cybersécurité? Je m'intéresse et je m'adresse beaucoup à des petites entreprises, des PME, des TPE, parce qu'il n'y a pas grand monde, sincèrement, qui veut travailler avec eux. Il y a toujours le stéréotype de dire « Ah, c'est pas rentable, moi je vais aller avec des entreprises de 50 employés plus ou... » Et encore 50, ça commence, ça reste petit à mon goût, mais... Donc, je m'intéresse beaucoup à des petites entreprises. Parce que les grandes, elles n'ont pas besoin de moi. Les grandes, elles ont des départements internes qui viennent justement faire des capsules vidéo, faire de la sensibilisation et tout. Donc, à quoi sert mon quotidien? Oui, je donne de la formation, mais ça, c'est quand l'idée est vendue, en quelque sorte. Parce que c'est quand le dirigeant, il dit « Ah oui, c'est important ». Parce que concrètement, la cybersécurité, la formation, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de très, très sexy. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui se dit « Qu'est-ce que ce matin, je vais changer tous mes mots de passe ». Non, personne ne se dit ça. Donc, c'est de vraiment, la plupart de mes journées, à quoi ça ressemble, c'est de faire des captures vidéo, c'est de faire des événements de sorte à ce que les gens ils disent « Ah ouais, je ne savais pas que ça s'appliquait à moi ». Parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses croyances, beaucoup de mythes hein, de la part des petites entreprises en lien avec la cybersécurité. Il y a le « Oh, je suis trop petit pour me faire hacker. Oh, j'ai un Mac, je n'ai pas besoin d'avoir un antivirus. » Et on entend plein de choses aussi de la part des particuliers, des entreprises. Donc c'est vraiment d'aller défaire et déconstruire ça sans aller dans la peur non plus nécessairement, mais simplement d'informer. Tu parlais de désinformation tout à l'heure, il y a beaucoup de désinformation. En cybersécurité aussi. Ouais. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de recommandations qu'on fait qui sont plus valides aujourd'hui. C'est pas de la désinformation à proprement parler, mais je pense que je comprends que les gens doivent être un peu perdus parfois sur tous les trucs qu'on dit. Alors, je suis en train de regarder ce que je pense. J'ai l'impression qu'on a une énorme arrivée de la team de Qu'est-ce que tu geeks. Je suis en train de regarder ce qui nous vaut cette arrivée soudaine. Et c'est un raid incroyable. Merci beaucoup, toute la team. Je sais pas qui est animé, j'imagine que c'est Tom, peut-être. Merci toujours, merci à tous. Alors, qu'est-ce qu'on geek? Du coup, on présente Emeline, qui est formatrice en cybersécurité. Et comment on peut essayer de former et de sensibiliser tout le monde à la cybersécurité et aux bons gestes de la cyber. Et donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, Qu'est-ce que tu geek, c'est une super émission de vulgarisation en informatique, un peu plus large que juste la cyber, mais qui touche à beaucoup de sujets. Et alors si vous n'êtes pas encore
Si vous ne les followez pas encore sur Twitch, je vous invite très fortement à les suivre parce qu'ils font du super travail. Cool. Je suis à plus de tes camarades de stream. Ok, donc c'est, tu parlais des petites entreprises. Alors moi je... Ah, vous parlez des bloqueurs de pub. Ah oui, c'est important. Bah, n'hésitez pas à aller voir la rediff. tu disais donc sur les petites entreprises. Moi j'ai tendance à... Enfin, souvent je travaille avec des entreprises qui sont pas mal plus grosses. Et tu disais qu'il y a, souvent une différence de moyens. Oui. Si tu devais faire une formation pour des grosses entreprises, est-ce que tu aurais une différence aussi de contenu sur tes formations? Typiquement, est-ce que les menaces sont les mêmes? Je pense par exemple qu'une grosse entreprise, souvent, elle a quand même un minima des antivirus. Oui. Elle a un réseau qui est aussi parfois constitué différemment. Par exemple, quand vous êtes 10 dans l'entreprise, il n'y a pas forcément de système de gestion des droits en interne, ça peut être juste être des Google Docs, et en fait votre parc informatique ça va juste être des Google Docs et tout le monde a son propre PC perso, alors que sur les grosses entreprises vous avez votre PC réservé au travail, les identités sont stockées dans un Active Directory ou un serveur LDAP, donc des choses très complexes. Parce que du coup c'est pas les mêmes menaces que toi tu traites peut-être? Les menaces sont les mêmes. Sincèrement, justement, qu'on soit une grande entreprise, qu'on soit une plus petite entreprise, selon moi, c'est les mêmes attaques. Parce que la plupart des attaques, déjà, il y a celles qui sont aléatoires, de dire le fraudeur, le cybercriminel, il envoie un courriel at large à bon, même lui, je sais pas qui. Donc c'est très très aléatoire finalement. Et bon, c'est le premier poisson qui mord à l'hameçon et c'est jackpot. Il y a ce type d'attaque là. Mais aussi en termes d'attaques ciblées, il y a des attaques qui ciblent les petites entreprises parce que on a des données sensibles et parce qu'on minimise la valeur de nos données, les données des clients, les données des employés, les données des fournisseurs. Et aussi, peut-être qu'on est certes une petite organisation, mais peut-être qu'on travaille avec des plus grandes organisations et que nous, on est comme, vu qu'on est souvent moins protégé, on est la porte d'entrée idéale pour rentrer chez la grande banque, pour rentrer chez la grande institution. Donc, les attaques sont les mêmes. En vrai, je vois de la fraude aux fournisseurs, de la fraude au président, je vois de l'hameçonnage, je vois tout ça, les rencontres logicielles aussi. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, plus au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes, et j'en ai une petite entreprise se faire rançonner. Donc rançon logicielle, ça chiffre les données, les gens n'ont pas de backup, les gens n'ont pas de sauvegarde, ils n'ont pas les sous pour payer la rançon parce qu'on est une petite organisation, on ne peut pas payer le 60 000 qu'on nous demande, et j'en ai vu des entreprises fermer boutique parce qu'ils étaient incapables de se relever. Aïe. Malheureusement, j'ai vu aussi jamais de gens fermer boutique, mais et j'imagine, je peux pas m'empêcher de remarquer que tu utilises le terme rançon logicielle. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de traitement de la cybersécurité en France et au Canada? C'est une association d'idées un peu capillotractées, mais le fait que tu utilises le terme rançon logicielle que je pense personne n'ose vraiment utiliser en France. Normalement, si, mais dans la pratique, je pense que moi, j'ai toujours des scrupules à l'utiliser. Je me dis que tout le monde ne connaît peut-être pas en France. Donc, tu utilises quoi? Ransomware. Mais vous, les Français, je dis vous, les Français, même si je suis française, mais vous utilisez plein de mots anglophones, alors que nous, on est pro. Au Québec, en tout cas, c'est vraiment le français. Puis là, il y a même une loi qui va passer éventuellement pour franciser, moi, je pense que ça se dit, franciser les trucs. Donc, nous, on est très, très. Tu sais, exemple, anecdote, on sort de la cyber, mais c'est pas un drive, c'est pas le Mac Drive, c'est le service au volant. Ou c'est pas sur nos panneaux, on n'a pas un panneau stop, c'est des panneaux arrêt. Donc, ouais, on est très, très. C'est très français. Wow. C'est génial. Mais pour répondre à ta question, moi, j'aimerais bien parce que vas-y. C'est toujours le petit moment. J'aime bien utiliser les termes français parce que déjà je les trouve géniaux. Rançon logiciel, cadriciel pour framework, etc. Je trouve géniaux. Et l'ANSSI, qui est l'agence qui gère la cybersécurité civile en France, essaye au maximum de franciser tous ces termes. Et ça donne parfois des trucs complètement à la fois absurdes et en même temps super mignons. Parce que on n'a pas l'habitude de voir le terme français. Ouais. Est-ce que du coup, donc toi tu dis que vous avez ça
encore poussé encore plus loin au Canada, enfin oui. Au Québec. Donc est-ce que ça me fait élargir peut-être un petit peu ma question. Est-ce que tu vois du coup une différence de traitement, de discours sur la cyber au Canada et en France? Alors ça peut être particulier au Québec ou au reste du Canada peut-être. Et puis aussi une différence de mode d'action dans les institutions. En France, on a l'ANSSI qui fait beaucoup de choses, mais on a plein de petites institutions à droite à gauche qui gèrent beaucoup de choses. Notamment, dès qu'on se met à toucher à des missions de services, comment dire, de services publics et tout ce qui est militaire, on va se retrouver avec 50 000 bureaux un peu dans tous les coins, des comms cyber, des SGDSN, des gendarmeries cyber, police cyber, plein de services un peu dans tous les sens. Je mentionne même pas la DRSD, la DIRISID, la DRM. Ouais. Est-ce que c'est la même chose au Canada, au Québec? Non, je pense qu'on a quand même on a du retard sur beaucoup de choses. Au niveau de la cybersécurité, au niveau de la protection des données aussi. Vous avez le RGPD depuis un petit moment déjà. Nous, on vient d'avoir une loi qui vient de passer, la loi 25. Et là, elle est en application sur les 3 prochaines années. Ça commence le 22 septembre. Donc, on a beaucoup, beaucoup de retard. Je vais faire aussi disclaimer. Si je vous ai dit, j'ai dit courriel. Probablement que j'ai dit courriel. Un courriel, c'est un email. Je vous fais la traduction du coup, parce que c'est peut-être pas évident. Je sais que je parle avec des Français des fois et moi, c'est automatique de courriel. C'est un courriel, c'est en français. Là. Mais les gens se moquent de moi. J'accepte, mais non, oui, il y a quand même beaucoup, ouais, malgré que, tu sais, c'est étrange parce qu'on est quand même proche des États-Unis, donc je pense qu'en termes de technologie, on est bien, mais c'est en termes de conscientisation, d'avoir justement de la sensibilisation, de la prévention, je pense pas, c'est pas, mais en France, quoique, de ce que je vois dans le chat aussi, il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour venir former les dirigeants, pour venir former les équipes, donc... Au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il y a du chemin à faire des deux côtés, probablement. Mais il y a plus de choses en place, j'ai l'impression, chez vous. Et avant peut-être de prendre la question d'Aurélien, est-ce que le récit est le même? Par récit, j'entends tout ce qui est représentation de la cyber. Typiquement, est-ce que dans les articles de journaux au Canada, au Québec, Il y a les mêmes images de hackers qui ont des gants de boxe et des cagoules devant leur ordi, ou... Ça, oui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, je sais pas, peut-être la proximité avec les US fait qu'il y a d'autres récits? On imagine peut-être que toujours les hackers, c'est des Russes ou... Ah, ben c'est une bonne question que t'amènes la notion de la Russie aussi, parce que je trouve qu'on a beaucoup, avec ce qui se passe justement en Ukraine avec la Russie... Ils ont été beaucoup, beaucoup diabolisés. Moi, je trouve et je pense qu'ils ont le dos large. C'est que non, toutes les attaques ne viennent pas de Russie. Il y en a, c'est sûr, mais ils ont le dos large quand même. Donc, je pense qu'il y a beaucoup un discours de la peur qui en est ressorti. Donc, la désinformation à ce niveau-là. Mais sinon, c'est quand même... Non, c'est vraiment le stéréotype, comme tu l'as décrit, le gars dans son sous-sol. Un gars, parce que c'est un gars, il n'y a pas de filles qui font tuer. Oui, oui, sûr. Un gars avec, dans son sous-sol, avec sa capuche. Donc, et ouais, qui adore se projeter lui-même des codes binaires sur la figure. Parce que ouais, ouais, c'est beau, c'est bon pour le teint. Mais c'est génial, on a les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Est-ce que je rebondis sur la question d'Aurélien qui disait du coup toi qui fais des formations, alors j'imagine que si tu viens faire des formations pour une entreprise, c'est bien que en fait le gérant, le décideur, le responsable de l'entreprise a fait lui la démarche de venir te voir et de prévoir une formation. Mais alors comment tu fais pour sensibiliser les gens qui se disent la sécurité, wow, ça vient après, on va pas s'embêter avec ça. Et même encore plus quand c'est des dirigeants. Ah, je sais que c'est une super bonne question, Aurélien, et je sais que c'est hyper rageant et hyper frustrant parce que les gens, tu veux leur mettre des choses dans la tête, tu veux leur dire à quel point c'est important, puis à quel point leur monde pourrait s'écrouler ici. Malheureusement, on peut pas forcer les gens à changer. T'sais, on peut pas, à part les exposer à des choses, à part, t'sais, dans leur vie, ils vont être proche de « Oh, quelqu'un s'est fait pirater. Oh, nous-mêmes, on s'est fait pirater. » Puis là, le discours va changer. Ce que je mets aussi beaucoup de l'avant avec ces dirigeants-là qui veulent rien entendre
parler, mais c'est aussi de la part des employés de mettre un petit peu plus la pression. Tu sais, quand l'employé ne se sent pas nécessairement en sécurité, là on l'a vu avec le télétravail, on sait tous, on est tous à la... Ben, en France, je ne sais pas s'il y a autant de télétravail, mais nous, il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup. Et là, les employés se sont retrouvés à la maison, pas outillés nécessairement, on se fait pitcher des VPN, on ne sait même pas comment ça fonctionne, puis c'est pourquoi c'est important d'utiliser. Donc, c'est ça, je mise plus sur les employés en disant, ben, dites que vous ne vous sentez pas confortable, dites que vous, vous avez besoin d'être formé, vous avez besoin d'être outillé. Donc, quand ça passe de la part des employés, mais malheureusement, on ne peut pas lui tordre le bras et lui dire, non, non, on va donner de la formation, tant qu'eux n'ont pas décidé, on ne peut pas passer à l'action. Et c'est quand, ouais, à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont avoir quelque chose dans leur système, puis là, ils vont se mordre les doigts. Et souvent, les employés le font derrière, ils arrivent, eux, à prendre le sujet et à pousser pour avoir des mécanismes de protection ou de la formation. Pour vrai, j'ai eu quelques histoires, quelques justement personnes qui sont devenues des clients à force que les employés ont poussé. Les employés, eux, regardaient mes capsules vidéo sur YouTube, me suivaient sur LinkedIn, à quel point ils aimaient ça. Et c'est eux qui ont poussé. Et au final, ben, j'ai pu donner de la formation à l'ensemble de l'équipe dû à ça. Donc, ils ont mis un peu la pression justement au boss, puis ils ont trouvé ça bénéfique et pertinent au final. Avec plaisir pour la réponse. J'en profite, je mets le lien vers ta chaîne YouTube. Avec plaisir. Plein de petites capsules courtes et très actionnables. Je vérifie que c'est toujours le bon lien parce que tu as changé de nom, si je ne m'abuse. Ouais, mais j'ai laissé l'ancien lien parce que je sais que ça allait tout foquer. Hop, ouais. Je partage sur Twitch, je partage sur YouTube. Merci. Je pense que... Attends, 400... Ouais, j'allais dire 4000, mais on va se calmer, mais 400 abonnés hier. Et genre à 398, j'ai fait une petite publication. Là, je pense que je suis arrivée à 402 ou quelque chose comme ça. Je suis comme, oh, c'est cool. Bah, et toi, t'as un paquet d'abonnés, t'as quand même un paquet d'abonnés aussi. Nous, on devrait être proche des 5000. Ouais, c'est cool. N'hésitez pas toujours à partager hein, les deux chaînes. Si vous écoutez même tous en ce moment et vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, bon, voilà. C'est un bon sujet en plus de parler des deux chaînes parce que j'allais dire qu'on a des approches qui sont assez complémentaires sur la sensibilisation. Et d'une certaine manière, moi, mon approche, c'est d'essayer d'atteindre les particuliers via les gens qui regardent facilement du contenu sur YouTube. Par exemple, arriver à atteindre des parents via des enfants qui pourraient tomber sur une vidéo. Et en fait, c'est un peu la même chose que toi, tu fais en essayant d'atteindre les dirigeants via les employés. Oui. Non, carrément. C'est smart. Ah, parce que c'est pas évident d'atteindre les personnes directement. On est submergé par notre quotidien, la vie va vite. Donc, justement, moi je vois ça un peu comme pourquoi je fais des capsules vidéo, pourquoi je donne énormément de contenu. C'est parce que je veux créer autour de moi des ambassadeurs. Je veux que les gens deviennent des ambassadeurs et répandent autour d'eux la bonne parole, la cybersécurité. C'est ça, ultimement, qu'on veut tous et toutes. Carrément, carrément. Et donc dans tes vidéos, peut-être tu peux présenter en 2-3 minutes, tu parles de petites capsules. Qu'est-ce que tu essaies exactement de donner comme bonne parole? Est-ce que c'est des... Alors, faut que je réponde à ta place. Mais qu'est-ce que tu cherches du coup avec chacune de ces capsules? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de contenu? Mais c'est beaucoup de semer des graines dans la tête des gens. De dire... Tiens, est-ce que tes mots de passe, tu les enregistres sur Google Chrome? Oui, non. Est-ce que tu savais que ce n'était pas nécessairement la meilleure des pratiques? Il y a d'autres choses que tu peux mettre en place. Donc, c'est vraiment d'y aller avec qu'est-ce que les gens font et d'être très, très pratique aussi. Vraiment, c'est vraiment d'amener des réflexions. Je veux dire, tu fais ça comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. D'informer, des exemples de quoi je parle. Je parlais de la plateforme, je ne sais pas si vous la connaissez en France, mais Have I Been Pwned? Est-ce que j'ai été victime d'une fuite de données? Genre, tu mets ton adresse courriel, puis tu vois un petit peu. Est-ce que Facebook, tu sais, il y a une fuite de données chez Facebook, chez Canva? Est-ce que je fais partie des heureux élus chez qui les données ont fuité aussi? Donc, d'aller vérifier des choses comme ça. Mais les gens aiment ça parce que c'est très pratique. C'est très, très pratique. Mmh.
Alors, qu'est-ce que tu conseilles de faire dans ce... Enfin, qu'est-ce que tu dis dans ce cas? Et surtout, j'avais une question sur... Du coup, tu prends l'exemple de Google Chrome. Pourquoi? Parce que c'est un débat qu'on a souvent, je pense. Ouais. Mais je me disperse un peu. Mais est-ce que tu veux que j'y réponde à ces questions? Yes, carrément. Alimentons le débat. Alors, bon, Google Chrome, je vais y revenir, mais là, tu m'as demandé aussi pourquoi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, plus par rapport à How I've Been Found, ou, admettons, j'ai quelqu'un qui a son adresse courriel, ben, pas son adresse courriel, parce que toutes ces données ont fuité, exemple Canva, qui est une plateforme plus de graphisme, enfin des visuels et tout, il y a eu une fuite de données dernièrement, qu'est-ce que je fais? Là, je me... Oh, le site web est tout rouge, la terre explose, qu'est-ce qui se passe? Non, en gros, faut pas paniquer plus que ça non plus, ben, faut quand même prendre des actions, mais... Ça va être important de changer de son mot de passe. D'où l'importance d'avoir des mots de passe uniques. Hein, parce que si Canva s'est fait pirater et que j'ai le même mot de passe pour Facebook, bah, tu peux être sûr que le fraudeur, il va aller l'essayer sur Facebook aussi. Donc, de changer mon mot de passe. Puis, moi, quelque chose que je prends énormément, c'est le double facteur d'authentification auprès des gens. Je sais que c'est douloureux, ça aussi. Les gens n'aiment pas ça. Mais c'est hyper, hyper important. Donc, je sensibilise plus par rapport à ça. Google Chrome, mes arguments par rapport à Google Chrome, c'est que moi déjà en partant, j'aime pas nécessairement mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc Google fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses, il fait beaucoup d'autres choses que de protéger mes mots de passe aussi. Donc à quel point est-ce que quand je le compare lui versus un gestionnaire de mots de passe qui fait uniquement que ça, bah, je pense que j'aime mieux aller vers celles et ceux pour qui c'est le modèle d'affaires, c'est le business model, puis. Eux, ils mettent toute leur énergie là-dedans à protéger mes mots de passe. Puis il y a aussi le fait que t'as pas nécessairement, tu sais, c'est moins évident quand tu as une équipe, si je reviens aux entreprises, puis aux petites entreprises, ben, tout le monde peut mettre ses mots de passe dans Google, mais t'as pas de console admin. Tu peux pas voir, ah, qui a un mot de passe faible, qui a le même mot de passe partout, tandis qu'avec un gestionnaire de mots de passe, tu as beaucoup plus d'admin que tu peux désactiver des accès. Exemple, ah, oh, ben, la personne, elle a démissionné, la personne ne travaille plus avec nous, je vais désactiver, je vais révoquer ses accès. Ben, là, avec Google, c'est moins évident. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est C'est un un peu mes super, Et toi, super bon argument. je te renvoie la question. Je partage un peu cet argument-là. Déjà, moi, j'aurais tendance à jamais conseiller Google Chrome pour quoi que ce soit. Moi, je suis un peu un partisan d'alternatives comme Brave ou Firefox. Mais je dirais que c'est aussi une question de surface d'attaque. Le navigateur, il a beaucoup de surface d'attaque. Les hackers, d'un point de vue de vulnérabilité, il y a plus de choses qui se passent dans le navigateur et qui pourraient être exploitées. Et inversement, c'est après une des premières choses que va regarder un attaquant, Ouais. je pense. Alors bien sûr, c'est toujours intéressant les trucs, les bases comment dire, de gestionnaire de mots de passe, mais c'est plus déjà il y en a plus. C'est un peu le choix du gestionnaire change la manière dont c'est chiffré, etc. Donc, alors, j'ai Ouais. envie de te poser une question qui est qui est peut-être un peu compliquée. Tu as dit, dans ce que tu veux dire aux gens, si jamais ils sont dans une fuite de données, tu veux pas faire peur, tu veux pas qu'ils se disent c'est la fin du monde. Mais, tout à l'heure, tu as dit que dans les émotions qui poussent le plus à agir, la première que tu as citée, c'était la peur. Ouais. Alors, moi, j'ai un peu une question, et c'est une question que je me pose beaucoup quand j'essaie de vulgariser. C'est à quel point. Est-ce que c'est utile et c'est éthique de faire peur? On sait que ça pousse à agir. Donc d'une certaine manière, pour que on puisse parler de cybersécurité d'une manière qui soit impactante, que les gens bougent, c'est bien de faire peur. Mais inversement, ce serait... Enfin, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense qu'il y a plusieurs arguments contre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, je pense qu'il en faut. Il en faut quand même un petit peu de la peur dans notre travail parce qu'il faut qu'on deal avec ça. C'est au même titre que les gens qui vendent des assurances vie. Il faut qu'ils jouent un petit peu sur cette notion de peur et de probabilité que ça arrive quand même. Maintenant, une personne qui se fait frauder, elle a ressenti de la peur, elle a cliqué, mais l'aventure et l'expérience n'a pas été plaisante. Au même titre, si on utilise trop la peur en cybersécurité, la personne ne va pas apprécier son expérience, ne va pas kiffer sa vie sur l'expérience qu'elle vient d'avoir. Donc ça reste teinté négativement. Tandis que si on y va vraiment plus vers de la formation, de l'information, de la sensibilisation, bref, on dit toujours les mêmes mots-clés depuis le début, mais vraiment à vouloir éduquer les gens au final,
Peut-être que c'est plus long, mais l'impact est plus durable. Parce que c'est sûr que la peur, ça va plus vite. On met un coup, puis hop, ça va vite et la personne passe à l'action. Mais au final, peut-être qu'après avoir ressenti la peur, après avoir été témoin de l'action que ça l'a amené à prendre, peut-être qu'elle va revenir à son ancien pattern, à son ancienne habitude, parce que, anyway, l'expérience n'a pas été plaisante. Et peut-être qu'il y a aussi l'esprit de contradiction qui va revenir derrière aussi. J'ai aimé ce qui s'est passé. Donc, je retourne à ce que je connais. Je suis très d'accord et tellement que c'est je sais pas moi comment le formuler et tu me donnes les mots pour dire effectivement que c'est plus durable. Ce que je vous propose c'est d'aller voir, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Il y a une question aussi que je voulais aborder, c'est tu parlais d'avoir des ambassadeurs. La question c'était comment est-ce que toi tu fais pour changer les gens en ambassadeurs de la cybersécurité? Je me fais auto-rire parce que j'allais dire c'est un cycle, c'est cyclique et justement cyclique c'est le nom de mon entreprise donc c'est là que je me dis c'est bien trouvé quand même. Non, mais c'est quand même un espèce de cycle et c'est très graduel, c'est-à-dire que on va avoir une personne à un moment M qui va être zéro sensibilisée, puis dire, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi, ça ne me concerne pas. Puis ensuite, on passe à un next step, de dire, c'est bizarre, elle m'a piqué ma curiosité, puis je ne savais pas que ce n'est pas bien ce que je faisais. Tu sais, on a quand même, on regarde de loin, mais quand même, on est un petit peu intrigué. Puis ensuite, il y a comme une nouvelle étape, de dire, ok, ouais, ça s'applique à moi, c'est intéressant, je ne suis pas encore prêt à changer, mais c'est intéressant ce qu'elle dit. Fait que je vais plutôt en parler aux gens autour de moi, mais moi, je fais rien encore. Ensuite, il y a la personne qui va prendre action. Donc, c'est un peu comme le cycle de la motivation. La motivation au changement. C'est la même chose. La personne, ensuite, elle va adhérer. Elle va adhérer, elle va changer ses habitudes, elle va changer ses pratiques. Et la step ensuite, c'est tu deviens un ambassadeur, en fait. Tu répands ces bonnes pratiques-là autour de toi parce que tu sais le bienfait que ça peut avoir, tu sais les soucis que ça peut éviter. Et ça, c'est toujours mieux. Tu sais, moi, j'ai une meilleure approche avec des gens dont l'entourage est déjà sensibilisé. C'est un peu sur LinkedIn. LinkedIn, il y a quelqu'un qui te contacte, qui t'envoie un message. C'est comme, c'est qui cette personne? Je sais pas c'est qui. Ou on a des amis en commun, mais c'est bizarre. Versus. Qui fait ça? Sûrement plein de gens. Moi, la première. Mais il y a aussi, quand tu es mis en relation, une personne que tu connais, qui te met toi, random, en relation avec la personne que tu voulais cibler à la base. Et là, il y a un transfert de confiance qui se fait. C'est-à-dire, moi, j'ai confiance en elle, donc tu peux avoir confiance en elle aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve ça si intéressant d'avoir des ambassadeurs. Et c'est pas facile, c'est pas pensé et réfléchi, c'est indirectement que ça donne ça. C'est à travers des capsules vidéo. Puis, tu sais, j'en ai fait une panoplie, je pense, j'en ai 69 ou 70 des vidéos sur ma chaîne. Et c'est peut-être au bout de la 75e que quelqu'un va dire Ah ouais, j'avais pas compris qu'elle faisait ça en fait. C'est ok. Il y a le format qui est différent. Il y a des personnes qui vont, nous, voilà, on est sur un live. Il y a des gens, ils adorent les lives. Il y a des gens, ils détestent les lives. Moi, personnellement, je déteste les lives parce qu'il y a trop de coupures. Il y a trop de. Moi, j'écoute, pour vrai, j'écoute tous mes trucs en x2 parce que tout va pas assez vite dans la vie. Puis je fais d'autres choses. Donc, j'écoute en x2. J'adore les capsules vidéo, mais c'est x2. Il y a des gens, ils adorent lire. Donc, eux, ça va plus être des articles de blog. Donc, il faut aussi diversifier le message, quitte à recycler notre contenu. C'est une capsule vidéo, on peut très bien en faire un article de blog, on peut très bien en faire quelques TikTok, mais tu sais, chacun consomme le contenu de façon différente, puis ça va l'impacter de façon différente aussi. Je suis tout à fait d'accord, mais sur toute la ligne. Au sujet de... C'est super intéressant, l'idée que c'est cyclique, et que entre le moment où tu as une habitude, que tu changes, et en fait... tout le cycle où à la fin tu arrives à changer d'habitude, peut-être j'imagine que derrière tu as d'autres habitudes qu'au bout d'un moment tu vas te mettre à questionner aussi et dans ce cycle il y a un moment où du coup tu vas vers les autres et tu leur dis non attendez tu fais encore ça toi, tiens tu sais pas que en fait justement j'étais à un événement de réseautage hier puis j'ai une personne que je connais bien qui est venue me voir qui me dit merci pour tes capsules vidéo, dernièrement on a été au McDo. Alors vous, j'ai McDo, tu comprends quand j'ai McDonald's là. Donc on a été au McDo, puis tout le monde s'est branché sur le Wi-Fi public. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il ne faut pas utiliser un VPN ou mettez-vous sur vos données. Donc
Et c'est là que c'est ça ma paye, c'est de dire waouh, j'ai eu un ambassadeur, j'ai eu un moment donné où moi j'aurais jamais pu intervenir, mais j'ai cette personne-là qui a propagé autour de lui ces bonnes paroles-là. Puis les gens, ça va leur rester en tête et que c'est cool. Je trouve que c'est une super, effectivement, c'est une super, super récompense en tant que. Comme je fais aussi du contenu, j'adorerais que quelqu'un me dise ouais, ça m'a aidé à comprendre quelque chose. J'en profite, tu m'as partagé les 12 commandements de la cyberprévention. Est-ce que tu veux les partager? Alors écoutez, ceux qui sont encore avec nous, ce n'est rien de scientifique. C'est moi, à un moment donné, je me suis posée devant une feuille blanche, je me suis dit, ça pourrait être nice de faire les 12 commandements de la cyberprévention. Donc c'est vraiment sorti de mon cerveau complètement. Je disais, il n'y a rien de scientifique, mais je serais intéressée justement au moins que tu puisses me challenger ou même que les gens puissent me challenger par rapport à ça. Alors j'en ai 12. Je vais les nommer puis sûrement rebondir. Puis si tu veux rebondir aussi au travers de tout ça, n'hésite pas. On parlait de la direction, on parlait des gérants tout à l'heure. Ben, mon étape numéro 1, c'est le support de la direction tu auras. Parce que sans support de la direction, on est mal barré. On est mal barré parce qu'effectivement, en fait, tu rentres même pas dans une entreprise. Si la direction n'adhère pas, ben déjà, ils vont pas te payer. Donc, qui veut travailler gratos, on a tous des bouches à nourrir. Donc... Ce sont des commandements pour toi en tant que formatrice ou pour, par exemple, tes ambassadeurs. C'est une très bonne question et je pense que c'est pas juste à moi, mais c'est une bonne question. Moi, je le voyais plus pour moi. Puis le jour où j'aurai une équipe, j'aurai d'autres formateurs avec moi, gagne et ayez ça en tête aussi. Mais tu me fais remarquer que ça peut très très bien s'appliquer à des ambassadeurs aussi. Pas nécessairement des gens qui vont former en entreprise, mais c'est de voir un petit peu à quel moment c'est le plus opportun et à quel moment la cyberprévention ça marche. À quel moment on est plus en mesure d'absorber cette prévention-là. Mon deuxième commandement, c'est lors des réunions d'équipe, tu interviendras. Parce que c'est dur et c'est difficile de trouver un moment qui convient à tout le monde. Donc, quand on a l'avantage en entreprise d'avoir déjà des moments dédiés à se rencontrer, ben là, de surfer sur cette vague-là, d'aller parler aux gens quand ils sont réunis, plutôt que de dire « Ah, est-ce que le mercredi à 1h, ça fonctionne ?» Ben non, parce que tout le monde en est 10, puis il y a toujours quelqu'un qui ne peut pas. Donc, la réunion d'équipe, c'est des choses qui sont déjà entérinées en entreprise et que c'est des bons moments pour en parler. Les échanges en direct, tu privilégieras. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Et moi, actuellement, mon modèle d'affaires est beaucoup en synchrone. Je ne fais pas de capsule vidéo. Bah, je fais de la capsule vidéo sur YouTube pour sensibiliser. Mais quand je donne de la formation, plus concrètement, c'est synchrone. Et même si on est à distance, mais on est live, on rebondit sur les résistances. Parce qu'on le disait, c'est une grosse gestion du changement. Les gens vont vivre de la résistance, ne vont pas être d'accord avec toi. Donc, en direct... Quand tu es en direct, on a l'occasion de pouvoir rebondir sur ces résistances-là, d'aller chercher la motivation intrinsèque de chacun des membres de l'équipe. Versus une capsule vidéo, il y en a beaucoup, des parcours de capsules vidéo. Moi, pour moi, et c'est là que les gens ne vont pas être d'accord avec moi nécessairement, mais je trouve qu'on se donne bonne conscience à simplement mettre des capsules vidéo. On dit « Oh, il y a une capsule cybersécurité à écouter, regardez-la. » Ouais, mais on est tous occupés. La plupart du temps, on fait juste le jouer, mais on n'a même pas nos caisses dans les oreilles. Puis l'objectif, c'est juste de passer la vidéo. Donc, c'est pas super. Qu'est-ce que tu penses? Qui fait ça? Personne. Ouais, non, si, je suis d'accord. Je garde une question dans un coin de ma tête d'ailleurs, parce que tu parlais de résistance. Et oui. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé. Mais non, ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a un truc qui est un peu en décalage avec les capsules. Je sais pas si tout le monde dans le chat voit ce qu'on veut dire par capsule vidéo. C'est que souvent dans les entreprises, surtout dans les grosses entreprises, pour pouvoir faire une fois la formation et après que tout le monde soit formé, souvent ça passe par des vidéos. Et en fait, ça passe par un module où faut le faire, c'est sur un site web particulier, et tant que tu n'as pas fait, tu reçois des mails de relance. Et je trouve que un des gros problèmes aussi, c'est que si tu fais ça, tu vas pas te faire des alliés dans les employés de l'entreprise, parce qu'ils vont se dire oh, faut encore que je fasse le truc de la cybersécurité, voilà. Et souvent il y a un rapport de la sécu qui est un peu contre les employés, et ça c'est quelque chose qui est vraiment dommage.
rendre ça le fun plutôt que ce soit une corvée aussi. Donc les échanges en direct, tu privilégieras. Des exemples d'hameçonnage réel reçus par l'entreprise, tu présenteras. Ça, pareil, ça sert à rien de... En formation, je parle des courriels, je parle des attaques par courriel. Puis là, je montre un exemple de un faux courriel SharePoint. Ouais, mais si l'entreprise, ils sont sur Google, ça va zéro leur parler ton exemple. Donc, c'est vraiment d'adapter les exemples avec la réalité de l'entreprise. Des parallèles avec la vie privée des participants et des participantes, tu feras. Donc, des parallèles avec la vie privée. Pourquoi? Parce que là, déjà, on parlait des gérants, des gestionnaires tout à l'heure qu'il fallait convaincre. Mais moi, j'ai deux personnes à convaincre. J'ai mon gestionnaire pour qu'il décide qu'on travaille ensemble puis qu'il me paye ultimement et que la vie, tout le monde est content. Mais ensuite, je me retrouve devant un groupe d'employés. Eux aussi, je dois les convaincre. Et ça, ça se fait pas en disant « Ah, c'est important, la sécurité de l'entreprise, sinon on va se faire hacker. » Eux, ils s'en foutent. La plupart s'en foutent. Et c'est normal parce que c'est vraiment la question « Qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? What's in it for me ?» Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'aller vraiment faire des parallèles avec la vie privée. Puis ça, il faut le dire à notre dirigeant d'abord, de dire qu'on va faire des parallèles avec la vie privée, sinon il ne va pas être content qu'on ne parle pas juste de l'entreprise. On prévient et « Ah, mais ce qu'on va aborder aujourd'hui, appliquez-le dans vos vies personnelles. Parlez-en à vos enfants, à vos jeunes, parlez-en à vos parents qui sont hyper vulnérables en ligne aussi, et que vous avez mis une tablette entre les mains. » Faire le parallèle avec la vie privée. Mon sixième commandement, on en a parlé, c'est la motivation intrinsèque des équipes, tu chercheras. Parce que ça revient à l'autre point d'avant, d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui leur parle à eux. Un langage clair, simple, accessible et imagé, tu utiliseras. Moi, j'adore faire des analogies. Comment expliquer un VPN à quelqu'un? C'est hyper complexe. Fais une analogie avec Alice au Pays des Merveilles qui tombe dans le truc, là. Donc, le tunnel, pour illustrer l'espèce de tunnel, que ben, lui, il est chiffré, il ne peut rien faire dans sa chute. Donc, de faire des analogies. En fait, de faire en sorte que le cerveau, il n'a pas besoin de réfléchir quand tu parles aux gens. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que t'en penses, toi, expert aussi en vulgarisation, justement? Je sais pas si je suis expert, mais ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai ma petite, mes petits Alice et Bob sur mes vidéos qui me servent à essayer d'expliquer des concepts. Et je suis bien d'accord, en fait, pourquoi je mets Alice et Bob depuis le début, c'est que j'ai quelques métaphores que j'ai envie de créer autour d'Alice et Bob. Que depuis le premier jour de la chaîne, c'est l'idée globale. Et c'est pourquoi c'est bien Alice et Bob aussi, parce que c'est rare qu'il y ait des Alice. Ben Alice, nous au Québec, on n'a pas beaucoup d'Alice, vous en France un peu plus. Mais même Bob, c'est pas des prénoms super communs. Je sais pas, mais nous au Québec, c'est vraiment pas commun Alice et Bob. Donc c'est cool d'utiliser ces noms-là aussi. Il n'y a personne qui va se sentir pointé en formation. C'est vrai. Ouais. Alors moi j'avoue, je les ai pris parce que dans le... Classiquement, c'est un peu les prénoms en A et en B. Qu'on prend souvent dans les publications, dans les exemples un peu. C'est un peu l'exemple canonique, quoi. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque fois que quelqu'un prenne un exemple avec Alice et Bob, la personne qui aura vu ma vidéo avant se dise « Ah, mais oui, et imagine la tête de ma petite Alice et de mon petit Bob. » Et qu'ils disent « Mais oui, Alice et Bob, je les connais. » Oui. c'est un peu l'idée, ouais. Créer des images. Huitième commandement, la place aux questions et aux résistances, tu laisseras. C'est ça aussi, on en a parlé au travers là du live, donc hyper important. Dans la gestion du changement, les équipes, tu accompagneras parce que c'est inconfortable, parce que c'est douloureux, parce que tout ça. Donc hyper, hyper important. Mon dixième commandement serait les nouveaux employés, les employés temporaires, les stagiaires, les clients et les partenaires, tu n'oublieras pas. Parce qu'on a tendance à... Surtout les stagiaires. Les stagiaires, les gens temporaires, qu'est-ce que t'en penses? Je te vois réagir. non, je suis complètement d'accord. Surtout pour les gens temporaires. Les stagiaires, parfois je trouve que c'est un peu le running gag. On a tendance à mettre beaucoup de choses sur les stagiaires. Je me souviens que sur l'affaire de SolarWinds, à la fin, les gens avaient dit que c'était la faute du stagiaire qui avait mis un mot de passe faible. Alors qu'en vrai, mais qu'il a été accompagné. Est-ce qu'il a été accompagné? Et puis c'est la faute de l'équipe de sécurité. Pour moi, si le stagiaire a un mot de passe faible, et je trouve ça trop facile de mettre. Je trouve ça trop facile de dire: ah, c'est le stagiaire, de toute manière, il n'est plus là. Exact.
Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Puis les deux derniers commandements sont pour éviter, ben c'est là que je pourrais répondre un petit peu plus dessus, pour éviter les overdoses de sécurité, par petites bouchées tu iras. Et moi, je refuse catégoriquement les gens qui veulent me faire venir en formation une demi-journée ou une journée. Et ils sont démotivés après. C'est, moi, c'est à coup de une heure et demie, deux heures, gros max. J'aime mieux revenir toutes les semaines puis donner deux heures toutes les semaines que de donner six heures d'un coup. Parce que là, tu fais une overdose de cybersécurité, tu veux plus en entendre parler. Emeline fait juste, c'est inconfortable tout ce qu'elle dit. Non, faut être indulgent envers soi-même aussi parce que c'est du changement de toute façon. Un petit morceau à la fois. Je refuse, pour de vrai, je refuse de donner des journées complètes. C'est inutile. C'est très vrai. Et bah la douzième, ça ne choquera et ça n'étonnera personne. Des ambassadeurs, tu formeras. C'est le douzième commandement. C'est sûr. Et bah on est là. Bah super, super intéressant. Je retiens certains des commandements. Tu disais que tu avais une question qui avait germé entre temps. Ouais, alors très rapidement, du coup, ce que je propose, c'est parce que je vois que ça fait une heure maintenant qu'on est en live. Je te pose cette question parce qu'elle était quand même assez importante pour moi. Et puis très rapidement, j'ai une petite surprise que j'espérais avoir un peu plus de temps de préparer, mais qu'on peut faire quand même. On la fera peut-être très rapidement pour conclure le stream, juste à la fin. Mais du coup, la question que je me posais, c'était toi, où est-ce que tu vois des résistances ? On n'a pas du tout parlé de ça. Mais c'est quoi le truc le plus chiant quand tu fais des formations où tu dis mais non, ça faut pas, est-ce qu'il y a un truc où alors là les gens vraiment ils s'arrachent les cheveux quand tu leur dis quoi? On a parlé du double facteur d'authentification, c'en est un, clairement c'est hyper douloureux, c'est vraiment painful, les gens aiment pas ça, donc je pense qu'on a du travail à faire pour faciliter et simplifier le processus probablement. Les mots de passe, ça aussi, c'est tellement douloureux. Les mots de passe, les gens justement qui mettent dans Google, les gens qui l'ont sur leur téléphone, les gens qui l'ont sur un fichier Excel, de leur faire changer de cette habitude-là, c'est très très long, il y a beaucoup de résistance. C'est normal, ça fait partie de notre métier, de notre travail, de les accompagner là-dedans. Ensuite, c'est tout ce qui touche les clics supplémentaires, parce que si j'avais à résumer, là, ce qui est douloureux et là où est de la résistance, c'est dès qu'il y a des clics supplémentaires à faire. Si je peux faire quelque chose, je le fais en 3 clics, puis là tu me dis pour avoir plus de sécurité, il faut faire 5 clics. Oh bah c'est chiant, 5 clics de plus. Bah 2 clics. C'est normal, ça aussi. C'est hyper normal. Donc, ouais. Mais d'une certaine façon, il faut retourner ça en disant la cybersécurité, plus t'es cybersécure, je sais pas si c'est vrai à 100% tout le temps, mais en tout cas, quand tu mets certaines choses en place, tu optimises ton temps. Un gestionnaire de mot de passe, tu optimises ton temps. T'arrêtes sur mot de passe ou. Ouais, et j'allais justement prendre cet exemple pour dire, à la limite, le MFA, donc l'authentification avec plusieurs facteurs, c'est toujours plus chiant. Mais le gestionnaire de mots de passe, souvent même, c'est plus pratique. Oui, ouais. Et comment t'arrives à faire comprendre, à mettre en avant le fait que c'est plus pratique, à dépasser un peu ce côté-là? Mais j'essaye vraiment d'y aller avec, tu sais ce que je disais justement tout à l'heure, de dire, là en ce moment, comment tu fonctionnes? Tu fonctionnes de cette façon-là. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Bah non, j'ai toujours mon mot de passe oublié, non, j'ai le même mot de passe partout. Et du moment où la personne comprend pourquoi c'est important, elle est au moins partante pour essayer. Elle l'a pas encore intégré, mais au moins elle essaye. Puis là, je dis, ok, c'est paramétré, roule, parce que là, pareil, on a dit tout à l'heure, c'était d'éviter de faire des overdoses de sécurité. Moi, je demande pas aux gens de faire toute une après-midi, pose-toi, puis rentre tous tes mots de passe dans ton gestionnaire de mots de passe. Non, les gens vont faire une overdose. Donc, c'est de rouler pendant une semaine. Là, c'est paramétré. Puis à chaque fois, tu vas avoir un petit pop-up. Voulez-vous l'enregistrer? Tu mets oui, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, tu vas avoir tous tes mots de passe. Donc, c'est d'y aller progressivement et de voir comment ça va. Puis de réajuster aussi. Et au bout d'une semaine, on se parle. Puis comment ça va? Donc, comment je fais? Ouais, c'est un processus. C'est vraiment progressif. Ok, super intéressant comment tu arrives à décliner en fait ces commandements dans tous les sujets. Alors, ce que je te propose, c'est que tu étais en train de parler de comparer gestionnaire de mots de passe et puis MFA.
Oui. Ce que je propose, je sais pas si tu connais ce truc-là, ce tier list. Je sais pas si t'as déjà vu. Non. Qu'est-ce que je suis censé voir en ce moment? Ah, tout à fait. Alors, je vais te mettre, partager, tu vois rien du tout, ouais. Hop. Laisse-moi te partager. Hop. Oui. Je vais vérifier que vous avez toujours la bonne image. Tu vois? Oui, je vois. Je vois plus toi, mais je vois ton écran. Excellent. C'est l'essentiel. L'idée, c'est de classer tous ces petites protections. Je voulais en ajouter d'autres, mais c'est un peu rapidement. Et c'est fait souvent pour des trucs de jeux vidéo. Ou pour faire du contenu, on dit bah, tel ou tel personnage, sort, configuration, objet, item, etc. Est-ce qu'il est très bien? A. Est-ce qu'il est bien? B. Est-ce qu'il est bof? C. Est-ce qu'il est complètement naze? Avec le dernier, le D. Et inversement, est-ce qu'il est vraiment spécial? Vraiment top, top tier, quoi. Ok, donc plus c'est rouge, c'est vraiment le top, quoi. C'est vraiment ce qui est. Ouais. Ce qui casse le jeu, quoi. Quand t'as compris ça, quand t'as compris comment l'utiliser, y a plus rien qui t'inquiète. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est essayer de classer ces différentes mesures. Ouais. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose suivant si on est une entreprise de 5000 personnes et de 30 personnes. Mais mettons pour une entreprise de 30 personnes, comment tu classerais ces différentes protections? Je vois pas les trois premiers. Je devine le premier antivirus, mais le deuxième, tu vois, je le vois pas bien. Les autres, le deuxième. Alors, le deuxième, c'est. Je pensais à BitLocker. Ok. Donc, c'est tout ce qui. Alors, pour le chat, en gros, l'idée, ça va être de chiffrer le disque des ordinateurs. Comme ça, par exemple, quelqu'un qui a accès à votre ordinateur, s'il sort le disque, il peut pas voir les données qui sont dessus. Si on vous vole un ordinateur, par exemple, on pourrait essayer de sortir le disque, de récupérer les mots de passe qui sont dedans et après de l'utiliser pour prendre contrôle de votre ordinateur. Oui. Là, l'idée, c'est de chiffrer ce disque. Ok. Puis là, il y a des choses que je vois pas. Alors, donc, je dis tous, donc t'as antivirus, chiffrement des disques, donc c'est BitLocker qui est le mode de chiffrement de Microsoft. Oui. EDR, c'est tout ce qui est antivirus dernière génération. Ouais. Mot de passe dans Firefox, du coup, toi, c'est ce que tu dis, mot de passe dans Google Chrome. KeePass, c'est tout ce qui est gestionnaire de mot de passe. Ouais. Moi, je recommande KeePass parce qu'il est gratuit. Mais c'est tous les gestionnaires de mot de passe. Et puis tu as authentification multifacteur. Est-ce que c'est mieux avec une application? Avec les SMS? Par exemple, quand vous connectez, je sais pas, par exemple, à. Les banques. Les banques, souvent, elles vont vous demander de faire un truc dans l'application de la banque. Ah ouais? Nous, pas encore. Plutôt... Oui, ah oui ouais. Enfin, nous, c'est beaucoup d'investissements. Ceux qui vont utiliser, j'avais un super exemple qui utilisait tout le temps les textos, c'était la SNCF, je pense, utilise beaucoup les textos. J'avais un super exemple, mais j'en ai plus en tête, c'est dommage. Et il y a un dernier stade de l'authentification multifacteur, c'est tout ce qui est token physique, c'est par exemple une clé USB. Ensuite, le NDR, c'est pour le Network Detection and Response. C'est quand tu as sur ton pare-feu quelque chose qui détecte des attaques et qui va bloquer certains flux. Mmh, mmh. Et puis le VPN. Est-ce que c'est important de mettre un VPN quand vous travaillez ailleurs, par exemple? Ouais. Et puis faire tout ce qui est pentest. Et je voulais rajouter formation aussi. Mmh, oui. Parce que c'est, alors ça, c'est un peu tout ce que peut-être en tant que... gestionnaire d'une entreprise, tu as prêt pour toi. C'est difficile. Je mettrais tout soit dans le S, soit dans le D. Je mettrais rien entre deux. Non, on va se traiter au jeu.
On va se prêter au jeu pareil. Ben, je pense que déjà, rien qu'au niveau, si on compare l'antivirus versus l'EDR, ben, un EDR serait vraiment plus sécure. Ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense aussi. Parce que de Il quoi, y a l'EDR, c'est un peu le ouais. Il y a l'évolution, quoi. beaucoup plus large et puis il analyse le comportement humain, donc il y avait de l'intelligence artificielle aussi. Au-delà de, oh, un fichier, est-ce qu'il est dans ma base de données de virus? Oui, non. Ok, ça passe pas. Est-ce que le DR va vraiment. Est-ce que c'est dans les patterns? Est-ce que c'est dans les habitudes de cet utilisateur-là de faire ça? Donc, je le mettrais clairement le DR en S, parce qu'à ma connaissance, il n'y En a pas. S. Ouais, toi non? Si je le Ok. compare à l'antivirus. Ouais, alors je suis d'accord que c'est, je pense c'est bien mieux que l'antivirus. Donc effectivement, ce que tu disais, c'est que l'antivirus, il va juste regarder est-ce que le fichier est connu. Alors que l'EDR, il va regarder, il va se dire que fait le fichier. C'est vraiment la nouvelle génération. Et je suis d'accord que pour moi, je le mettrais plus bas. Mais je suis d'accord que quand il y a de la corrélation et qu'on se dit, bah non, tel utilisateur, d'habitude, il ne fait pas ça. Je suis d'accord que quand ils le font ça et qu'ils le font bien, je suis d'accord que ça c'est S-tier. Mais je pense que c'est pas toujours bien fait. Et l'aspect intelligence artificielle, parfois, c'est. Il y a de l'amélioration à faire. Oula. Ok, bah S-tier. Je On le prends. met Je pense en que A, peut-être le A on. me va bien, et puis si on. T'sais, l'antivirus, je le mettrais en C, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas Ok. important d'en avoir un. C'est quand même important d'en avoir un. Mais si on classifie les deux, c'est comme ça que je les mettrais, toi. Ok. Chiffrement des disques, rappelle-moi avec. Ça prend un mot de passe aussi hein, pour venir déchiffrer, right? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être un mot de passe. Ça peut être une puce qui a en fait la clé dans la puce et la clé ne sort jamais de la puce. C'est ce qu'on appelle les puces TPM. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de mot de passe, s'il y a juste la puce, bah en fait, quand tu voles tout le PC, bah, en fait, c'est pareil que ce qu'il n'y a pas de chiffrement. Ça, c'est moins bien. Et par contre, tu peux faire la puce et le mot de passe. Et ça, c'est vraiment le top du top. Mais ça te demande de systématiquement remplir un mot de passe de plus lorsque tu allumes ton ordinateur. C'est ce Donc, que c'est j'allais chiant. dire, c'est une belle solution en termes de sécurité, parce que là, il faut trouver aussi comment on veut classifier nos choses, c'est de dire, ok, entre sécurité et fonctionnalité, il faut que ça pèse dans la balance aussi. Puis là, le chiffrement, c'est nice, sauf qu'il y a beaucoup de manuels à faire. Il faut qu'un humain intervienne, fasse des choses manuellement. Donc oui, c'est cool comme niveau de sécurité que ça donne, mais c'est plus ou moins réaliste et fonctionnel pour la plupart des entreprises. Donc moi, je lui donnerais... Ça fait pas tout non plus, ça ne fait pas tout. Et je mettrais probablement un B ou un A. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, donc assez haut quand même. Ouais, parce que... Moi je pense que les problèmes que tu as mentionnés, le fait que c'est chiant, ça mérite. Je pense que ça le justifie de le mettre en B. Mais je m'attendais à ce que tu dises moins. Mais je pense que c'est quand même très important parce qu'en fait ça protège contre des trucs qui sont tout bêtes. Genre vous faire voler votre PC. J'ai déjà vu des pentesters qui manipulent beaucoup d'informations très sensibles. Qui en plus font de la réponse à incident, donc c'est très sensible. Et en fait, eux, ils ont un peu peur de ça, quoi. S'ils se font voler leur PC à un afterwork, heureusement que c'est chiffré, quoi. Ouais, carrément. Donc, A, B. B, moi je proposerais B. Ok. Ouais. Ensuite, on a le gestionnaire de mot de passe et le gestionnaire de mot de passe qui est dans Chrome ou Firefox. Alors, mot de passe dans Firefox, c'est clairement du D pour moi. Alors on a expliqué un peu tout à l'heure. Et puis, qui passe, je le mettrais en A parce que, en fait, je pense qu'avec du recul, je mettrais probablement rien en S parce qu'il n'y a rien qui est infaillible, je dirais. Donc, je mettrais en A qui passe. Toi, t'es d'accord ou pas? Bah moi, c'est peut-être lui que j'aurais mis en S. C'est vrai. Parce que je Mais trouve que parce que ça je me dis change que beaucoup de choses. il y a quand même notre risque humain. Il y a quand même la personne qui, pour rentrer dans son gestionnaire de mot de passe, elle a le nom de son chien. Il y a quand même le fait que tu reçois un courriel de LastPass qui dit, oh, il y a un problème sur votre compte et tu cliques dessus.
Ouais. Mais C'est vrai qu'il y a des... on peut quand même le mettre en S, je suis très très à l'aise. Parce qu'au moins, quand je vois la distance entre les deux, que ce soit en A ou en S, au moins il est déjà très loin de mon mot de passe dans Firefox. Donc le Ouais. clash est réel. Donc ça me convient très bien en S aussi. Ok, on va essayer de, je vais essayer de faire, on va essayer de faire une gaussienne hein, pour que ce soit assez étalé. Du coup, je mets en S quitte à ce que ce soit un peu artificiel. Après, il y a les trois modes de MFA. Ouais. Alors, le pire dans la liste, c'est clairement le SMS, qui est vulnérable au, ce qu'on appelle le SIM swap, donc l'échange de cartes SIM, que je mettrais, écoute, s'il n'y a rien d'autre en place, je le mettrais, tu sais, si j'ai pas le choix, j'ai juste le texto, ben, autant mettre le texto, je mettrais du C. Est-ce que je mettrais du C ou, je mettrais quand même du C, parce que la probabilité, peut-être que quelque chose arrive, elle n'est pas zéro, mais elle n'est pas énorme non plus. Et puis, MFA application, ça doit dépendre des applications, ça aussi. Je dirais les applications genre Google Authenticator, Microsoft. Google, son défaut, c'est que l'application n'est pas bloquée. Ça, c'est vraiment un problème. C'est que quelqu'un qui a mon téléphone, il peut rentrer dans mon Google Authenticator. Versus Microsoft, il a un mot de passe ou mon empreinte digitale. Donc, c'est pour ça qu'ils se valent pas tous. Il y a aussi des applications open source. Oui. Après, Oui. pas citer Mais, que ouais. Google et Microsoft. Mais Non, ouais, non, non, donc. non, mais oui, après, c'est jamais évident aussi parce que dépendamment de la plateforme où tu veux l'activer, c'est peut-être pas pris en charge cette application-là. Ça dépend. Personnellement, moi j'ai jamais eu de problème. J'utilise une application qui est open source. Parce que je pense que c'est assez standardisé en fait. Quand tu scannes le QR code, c'est un standard, je pense. Mais application MFA, écoute, j'hésite entre du A et du S. Puis pareil en fait pour le token. Le token, je le mettrais même plus haut que l'application. Parce que. Mais il y a quand même toujours le risque de perte ou de vol. Même avec le token. Après, est-ce que c'est pas plus compliqué à installer et à faire que les gens l'utilisent? Oui. Oui, le token, c'est un niveau dessus, genre en termes de complexité. Parce que je pense que c'est un niveau au-dessus en termes de sécurité, mais du coup la complexité. Je pense que là, il y a un arbitrage à faire. Et typiquement, je Ouais. serais intéressé de savoir comment tu places le MFA, ces deux MFA avec qui passe, comment tu les arbitres. Je dirais que c'est pas équivalent parce que c'est deux produits différents, mais l'un complète l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre, selon moi. Je les mets quand même beaucoup. Que ce soit, si on laisse de côté le fait que ce soit une appli ou un token, le MFA et le double facteur, le MFA et le double facteur, c'est la même chose. Le MFA et le gestionnaire de mot de passe sont à un niveau de sécurité vraiment équivalent, selon moi, et d'une importance équivalente. Ok, et donc entre les deux, entre l'appli et le token, tu dis le token est mieux, plus compliqué mais mieux. Mieux en sécurité, moins bien en termes de fonctionnalité. Je suis d'accord. Et je trouverais personnellement que ça justifierait de mettre le token en dessous. Ça me va. Allez, let's go. Le NDR, est-ce que tu as un avis sur le sujet? Rappelle-moi, ça c'était quoi déjà? Donc c'est Network Detection and Response, en gros c'est un antivirus sur le firewall. Ouais. Je le mettrais probablement au même niveau que le DR. Peut-être en A. Ok. Il va faire de la détection, il va faire du blocage aussi. Moi je m'attendais à ce qu'on le mette en D, C'est vrai? en se disant que c'était probablement overkill pour une petite boîte de 30 personnes. Tu vois, il faudrait quelque chose avec deux, t'sais, la fonctionnalité et Ah la sécurité. ouais. Parce qu'effectivement, c'est quand même sécure, mais ultimement, c'est ça, pour ton entreprise de 30, c'est overkill, je suis d'accord. C'est vraiment overkill. Mais tu sais, c'est dommage qu'il se retrouve à côté du Firefox, le pauvre. Je trouve qu'il n'a pas mérité ça d'un autre côté. Ok. Bon, on peut le mettre entre les deux, vas-y. Genre B. Bon, on peut le mettre en B. Et alors le VPN. Parce que Ouais. c'était tout l'objet de l'exercice, c'était aussi un peu D'arriver au VPN. pour de... Pardon? L'objet de l'exercice Ouais. était d'arriver à ce De moment et de argue, parler du ouais. VPN. C'est un peu ça. Alors,
Le VPN, moi, mon point de vue par rapport au VPN, c'est si tu travailles de la maison. Tu es en entreprise, certes, mais tu travailles de la maison. Tu n'as pas besoin d'avoir accès à des choses à distance parce que vous travaillez sur le cloud. Donc, il n'y a pas d'accès à distance de nécessaire. Ton réseau à la maison, ton routeur à la maison est bien paramétré. Tu n'as pas besoin d'avoir un VPN, selon moi. Par contre, tu me dis, ah oui, mais de temps en temps, je vais travailler dans un café ou je suis en voyage d'affaires la semaine prochaine. VPN, clairement, VPN. Donc, Même si ton infra est dans le cloud. Ouais. Ben oui, pour envoyer des courriels, pour avoir accès à des sites web, pour éviter l'attaque de l'homme du milieu, man in the middle, ce genre de choses, ouais, j'utiliserai un VPN pareil. Ouais, mais en fait, si tout ton infra est dans le cloud, dans tous les cas, t'es authentifié, tu utilises les sites avec TLS. Oui, mais le but n'est pas la protection de des données. C'est pas de bypasser mon adresse IP puis de faire croire que je suis ailleurs, là. C'est vraiment plus d'éviter certains types d'attaques. De vraiment pas me retrouver sur un réseau, sur une connexion Wi-Fi, inconnu et avec qui ne gère pas comment c'est paramétré et qui se trouve dessus. Ouais, ok, je suis assez en phase. Et une dernière truc, c'est que pour les gens, moi je fais pas des partenariats NordVPN, etc. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est utile pour les gens? Non. Les particuliers. Si tout ce qu'on vient de dire est il travaille de la maison, il travaille pas dans un café de temps en temps, il va pas à la bibliothèque, il voyage pas, puis même s'il voyage, il est sur son téléphone, puis il va juste regarder Facebook, il va pas voir ses comptes bancaires. Oh non, c'est zéro utile. À part si après on veut faire l'adresse IP, oh je suis au Japon parce que je veux regarder mes mangas préférés. Mais oui. Et en plus, VPN, il y a la VPN et VPN. Hein. Il y a le VPN justement qui va faker ta géolocalisation, puis il y a celui qui va vraiment protéger tes données. Donc, au niveau du fournisseur, il faut bien. On a besoin aussi. Alors, du coup, avec tout ça à discuter, où est-ce qu'on mettrait? Moi, j'ai l'impression de le mettre en D en vrai. Ouais, ah, pour vrai, hein? Bah, ouais. Tu vois, moi, je l'aurais peut-être mis en B. En B, B, C. En B? Ouais, ça dépend du contexte. C'est un bel outil, mais ça fait... Vraiment, même avec ce qu'on a dit... Ouais. En fait, si t'en as besoin, c'est juste pour des trucs pratiques, quoi. Oui. C'est soit pour accéder à du contenu qui est à distance, soit accéder au réseau de ton entreprise parce que vous n'êtes pas dans le cloud. Ouais. Donc, c'est pas un must-have en entreprise. Ça s'applique. Et en fait, en termes de sécu, ouais. Je trouve que c'est un peu overrated, quoi. Ouais. Mais surtout, certains. Donc, allez, on dit un. C'est... Parce que D, c'est triste qu'il se retrouve à côté de Firefox aussi. Mais un ouais, C, ça. Moi, j'ai pas de pitié. ok, on peut le mettre en C. Ouais. Et alors le pentest. Pentest. Quand t'as une petite boîte de 30 personnes, est-ce que tu fais des tests d'intrusion pour tester ton niveau de sécurité? Est-ce que tu fais des tests d'intrusion? Bah, déjà, la majorité, si. Pour de vrai, une entreprise. Toi, tu penches plus vers du oui, hein, j'ai l'impression. Non. Ok. Et moi, mon point de vue, c'est quand t'as une entreprise de 30 employés, t'as pas full de système. Généralement, t'as même pas nécessairement de serveur. Ouais. T'as même pas de choses physiques. Tu travailles dans le cloud. Tu travailles, donc tu délègues. Tu loues l'espace de quelqu'un d'autre, genre Microsoft, genre. Mmh. Donc, non, pour moi, c'est pas la priorité. C'est vraiment pas la priorité absolue. D'accord. Tu le mettrais où, du coup? Dans les B, C, D? Pour moi, lui, je serais à l'aise de le mettre en D. Ok. Ouais. Alors, vu que je vis quand même de pentest, on parle d'une entreprise de 30 personnes. Hein. Ouais. Si vous êtes 5000, ça vaut peut-être le coup. Ouais. 100% le coup. Et peut-être qu'à 30, ça vaut le coup aussi, dépendamment de l'infrastructure, dépendamment des données sensibles qui sont transigées. Il y a un niveau de conformité des fois qu'il faut atteindre dans même des toutes petites organisations. Mmh. Moi, je travaille avec des organisations de 5 employés, mais ils deal avec une masse de données sensibles qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et donc, ça, c'est tout à fait approprié. C'est très vrai. Mmh. Bon, ouais, nous avons une tier list. Des protections, des mécanismes de protection.
Je pense que si je repasse... D'accord avec nous, mais ce sera l'occasion de... On vous lira dans les commentaires. Je sais pas s'il y a des... Ouais, s'il y a des, s'il y a des gens qui veulent réagir dans le chat. J'espère qu'on n'a pas trop perdu tout le monde. Mais... ok, je repasse rapidement. Je me dis peut-être que Kipas et MFA... Je pense que face au MFA, Kipas... On pourrait faire l'argument de descendre un petit peu. Ouais. Ouais. Je sais pas si t'en penses. Non, je suis quand même d'accord. Maintenant que tu le verbalises, je me dis, le MFA, c'est clairement plus important que Kipas. Parce que, en termes d'attaque, ouais. Moi, ce que j'aime bien dans Kipas, quand même, c'est qu'il te permet, toi, de prendre l'habitude de mettre des mots de passe uniques et de mettre des mots de passe forts, en fait, au fur et à mesure que tu l'utilises. Mais le MFA, mais il protège contre quelqu'un qui accède à ton ordinateur ou à ton bureau, si tu... Enfin, c'est pas avec quoi tu compares, quoi. Si tu le compares à un document Word, des mots de passe, c'est quelqu'un qui accède à ton ordinateur. Si tu le compares au post-it sous le clavier, c'est quelqu'un qui accède à ton bureau. C'est... Donc je pense que... Il te protège... de la réutilisation du mot de passe, de l'intrusion sur ton ordinateur ou sur ton bureau. Mais en fait, le MFA, il protège contre tout ça. C'est chiant. Mais niveau de sécu, c'est quand même un peu le truc ultime, je pense. Ouais. Ouais, ultimement, je suis quand même d'accord. Il y a un arbitrage à faire. Du coup, t'es plutôt d'accord ? Est-ce qu'on on descend ? Allez. Ouais, ouais, je suis d'accord. Let's go. Ok, et bien, messieurs, dames, nous avons une tier list. Écoute, en tout cas, on a dit beaucoup de choses. Je pense que ça fait 1h30 qu'on est en live. Je pense qu'on va peut-être pas trop tarder. Libérer tout le monde. Et puis toi, en plus, il me semble que t'avais une... Comme t'es au milieu de ta journée, j'ai peut-être des réunions ou quoi derrière. Donc... Non, ça va, réunion, mais plus du réseautage ce soir. Mais je pense qu'une petite sieste est de mise parce qu'il sait, je sais pas chez vous, mais nous, il fait très très chaud. Et là, en plus, il m'a mis pas de ventilateur parce que ça faisait du bruit, donc je suis en train de creuser. Ah oui, désolé. Ouais, bah écoute, ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton passage sur ce stream. On retire cette tier list, on retire les 12 commandements de la cyber que tu nous as, du cyber, de la cyberprévention et du cyber ambassadeur. Super intéressant. Je retiens aussi plein de tips pour tout ce qui est sensibilisation, parler de cybersécurité. Moi personnellement, je pense qu'il y a plein de tips que je garde en tête pour la suite de mes aventures. En tout cas, merci beaucoup, Emeline. Merci à toi pour l'invitation. Pas de plus, c'était vraiment chouette. Merci au chat, merci aux gens qui étaient là, puis qui vont nous réécouter, qui vont prendre la peine de réécouter 1h30. Si vous écoutez encore en ce moment, mais merci de nous faire confiance, puis de nous écouter encore rendu là. J'espère qu'il y en aura. S'ils sont là, commentez pour dire que vous êtes là, ceux qui regardent jusqu'ici. Ouais, ça rentre encore. Qu'est-ce que... Oui, pour les prochains streams. Moi, j'ai peut-être levé un peu le pied sur les streams pour les vacances. Mais je vous prévois du très très lourd pour la rentrée. Il y aura peut-être encore un stream sur ce mode d'entretien. Peut-être avec quelqu'un que les gens qui me connaissent connaissent peut-être assez bien. Qui s'appelle Alexandrine Torrens. Qui fait de la cybersécurité pour les usines. Donc ça va être peut-être un peu plus technique. On va parler de comment on attaque une usine, quels sont les risques sur une usine, est-ce que c'est la même chose. Donc je vais voir avec elle. Peut-être qu'on va remettre ça à la rentrée, et à la rentrée normalement on devrait avoir des invités dans tous les sens. J'ai pas encore prévu de date avec eux. Mais il y a quelques noms très très intéressants qui devraient arriver. Donc pour continuer ces streams.
Et puis on reprendra à ce moment-là aussi les streams de CTF, de Challenge de Hacking en live. On va voir ce que j'en ferai cet été. Et puis, j'ai peut-être des surprises aussi pour les actus. Ça va peut-être changer de modèle, de forme, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la forme des actus. Et puis évidemment, il y a des grosses vidéos qui vont arriver aussi à l'entrée. En tout cas, merci beaucoup Emeline, merci à tous ceux qui ont parlé dans le chat, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à toi The Scream pour t'avoir fui au fic, mais alors avec ton pseudo, je ne sais pas exactement sûr de qui exactement tu es lorsque je... qui j'ai croisé au Scream. En tout cas, je suis sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un avec cette photo de profil là au fic. Je pense que la gendarmerie ne vous aurait pas laissé rentrer. Et donc en tout cas, bah, merci à tous. Merci à toi Emeline. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à tous, à une très prochaine fois. À bientôt. Je vais lancer un petit... Alors, je vous dis à bientôt pour YouTube. Et...